Something in French. Hi, David. Hello, my people. Comme je vous le dis souvent, ne soyez pas un sorcier ou une sorcière pour vos cheveux. On a tous fait des trucs un petit peu cons, un petit peu idiots dans la vie, mais de là quand même à mettre de la colle forte sur ses cheveux juste pour les plaquer, je pense que c'est quand même gros. Donc aujourd'hui, on va parler du cas Tessica Brown, aka Gorilla Glue Girl. Bienvenue sur ma chaîne What Works for Suzy, parce que ce qui marche pour Suzanne pourrait éventuellement marcher pour toi. Alors je m'appelle Suzanne, Basic Fluffy, et on va parler cheveux, ok? Ok, comme vous l'avez constaté, je ne suis pas à la maison, donc si vous voyez beaucoup de mouvements dans le background, comprenez que bon, je ne suis pas à la maison. Donc comme je le disais, mais vous voulez vraiment que cette femme paye de sa vie hein, pour une erreur qu'elle a faite, une erreur toute simple. Donc, on va parler de Tessica Brown. Tessica Brown, 40 ans, mère de famille, qui s'est retrouvée avec de la colle forte dans ses cheveux. Bon, il faut qu'on remette les choses dans leur contexte, parce que beaucoup de gens ont couvert ce topic. Donc, il va falloir qu'on revienne et qu'on parle des choses un peu pour les remettre dans leur contexte. Donc, Tessica Brown, 40 ans, mère de famille, américaine, reçoit un coup de fil comme quoi son fils aurait été involved dans un accident avec sa voiture serait en feu, un truc du genre. Donc dans la précipitation, elle a juste le temps de faire rapidement ses cheveux parce que j'assume que ses cheveux étaient déjà faits, mais elle avait juste besoin d'ajuster ses cheveux pour qu'ils puissent rester en place et puis prendre la route. Parce qu'on ne va pas se mentir, ici en Amérique, vos cheveux, la manière dont vous présentez, ça a beaucoup d'impact. Donc elle a juste le temps d'entrer dans sa salle de bain, de rajuster ses cheveux vite, vite, vite fait là. Elle prend son Got to be Glue. Malheureusement, elle est à court de Got to be Glue. Donc, elle se dit, bon, je vais utiliser, qu'est-ce que j'ai rapidement là que je peux utiliser vite fait. Et quand je vais rentrer, je vais rincer. Gorilla Glue. Elle avait du Gorilla Glue. Donc, elle a pris son Gorilla Glue et elle a spray sur ses cheveux. Elle a mis, comment tu appelles ça, la chaleur là, de ses cheveux. Elle a pris ça. Pour faire sécher ça rapidement, mais son sèche-cheveux, allez, elle va vite, elle est partie. Bon, c'était bête. C'était bête, c'était idiot, c'était con. Mais on a tous fait des trucs comme ça. Et fast forward, un mois plus tard, c'est là où la vidéo sort. Elle fait une vidéo sur TikTok pour vous dire que si vous êtes à court de votre gel, n'utilisez surtout pas Gorilla Glue, parce que Gorilla Glue, c'est de la colle forte, c'est de la colle de force industrielle. Parce que si vous pouvez coller avec Gorilla Glue, vous pouvez coller du verre, vous pouvez coller, ils ont dit quoi, coller du verre, vous pouvez coller du bois, vous pouvez même coller du fer. Je pense que si vous pouvez coller du fer avec quelque chose, ça n'a pas de place sur vos cheveux. Donc, un mois plus tard, c'est là où elle dit, elle se met face à la caméra, parce que bon, elle est en détresse. Ça fait un mois que ses cheveux ne bougent pas, ses cheveux sont là, c'est stiff, et elle avait ce qu'on appelle, elle avait un chignon, elle avait un ponytail. Donc, au fur et à mesure que les jours passaient, le ponytail devenait encore plus serré. Le chignon devenait encore plus serré parce que ses cheveux étaient collés à son crâne, carrément collé à son cuir chevelu. Donc elle peut pas raser, elle peut pas peigner, elle ne peut absolument rien faire. Maintenant, l'erreur qu'elle a commise, parce qu'elle a commise beaucoup d'erreurs, et la première erreur qu'elle a commise était de ne pas demander de l'aide directement à Gorilla Glue et d'aller chercher, voir ce qu'elle peut faire d'elle-même. Donc, un chimiste nous explique parce qu'elle dit elle a lavé ses cheveux au moins 15 fois, mais rien ne se passe. Ses cheveux sont collés, ses cheveux ne bougent pas. L'erreur qu'elle a faite donc, c'est de laver ses cheveux autant de fois parce qu'un chimiste explique qu'à chaque fois que Gorilla Glue, ces produits chimiques qui sont dans le Gorilla Glue, chaque fois qu'ils rentrent en contact avec de l'eau, ils s'activent encore. Et ça devient encore plus fort.
C'est pour ça que quand vous utilisez Gorilla Glue, vous pouvez mettre vos choses dans de l'eau, ça ne va pas se décoller, ça ne va pas, une fois que c'est glue, une fois que c'est collé et puis c'est tout. Donc, ça c'était la première erreur qu'elle a faite, de ne pas se diriger vers les personnes compétentes pour pouvoir l'aider. Deuxième erreur, quand elle va sur le net pour chercher, pour demander « est-ce que vous pouvez m'aider ?», beaucoup de gens lui donnent des conseils. Donc, elle essaye d'appliquer tous ces conseils-là et ça, ça l'a envoyé direct aux urgences. Ah oui, parce que là, elle n'en pouvait plus, il fallait faire quelque chose. Arrivée aux urgences, malheureusement, l'infirmière lui a dit « voilà, on va essayer de le faire ». On lui a donné « nail polish remover », des petits patchs de nail polish remover. Maintenant, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on appliquait, ça brûlait énormément. Donc, il fallait passer entre nail polish remover et un autre liquide pour pouvoir calmer. Je ne sais pas trop quel liquide c'est. Je ne sais pas si c'était de l'eau. Je ne sais pas trop. Donc, là, elle est arrivée à l'hôpital et l'infirmière lui a dit, ça, c'est une procédure qui va nous prendre au moins 20 heures. Entre-temps, c'est d'hôpital, nous sommes dans une période de pandémie. Tu ne vas pas aller passer 20 heures sur un lit d'hôpital aux urgences quand il y a des gens qui ont besoin, qui en ont plus besoin que toi en fait. Donc, Tessica dit, elle décide de rentrer chez elle et elle demande qu'on lui donne ces patchs-là et tout ce que l'hôpital fait. On lui a remis des patchs, on lui a remis tout le nécessaire pour qu'elle puisse le faire à la maison parce qu'elle a demandé à le faire à la maison. Elle a demandé à ce que sa sœur vienne pour pouvoir l'aider. Sa sœur est venue pour pouvoir l'aider et tout. Et elle a même filmé, mais même jusque-là, ça n'allait vraiment pas parce que ça brûlait. Donc, un docteur nigérian, je pense qu'il n'est pas super connu, mais je pense qu'il était dans les TGV trucs ici aux États-Unis. Donc, il décide de lui faire son opération pro bono. Pro bono, c'est quoi? Ça veut dire free, sans charge, gratuit. Il décide de le faire pro bono. Donc, elle va aller, elle va faire, bien avant même de faire son opération, elle va ouvrir un GoFundMe. Par contre, le GoFundMe, j'ai pas trop compris le but au moment parce qu'elle disait que c'était pour acheter ses perruques. Parce qu'elle aura besoin de Paris parce qu'elle était sûre qu'elle allait perdre tous ses cheveux et tout. Oh, entre temps, j'ai passé aussi, j'ai sauté un petit peu parce qu'elle a réussi, après avoir mis l'acétone, tout ça, elle a réussi à couper le chignon. Elle a réussi à couper le chignon. Donc, c'est de là qu'elle est partie et puis elle est allée faire ses opérations. Le monsieur, il lui a fait son opération gratuite. Il a réussi à sauver ses cheveux. C'est une histoire qui fait peur. C'est une histoire qui fait peur et je voulais attirer votre attention sur ceci. Parce que je suis dans plein de groupes, comme je dis tout le temps, je suis sur les groupes Facebook de cheveux naturels pour essayer d'aider les jeunes filles, pour aider les femmes à prendre soin de leurs cheveux. C'est en fait la grosse raison même de cette chaîne, c'est parce que je voulais partager ce que moi j'ai appris avec vous. Mais je voulais vous dire, ne soyez pas un sorcier ou une sorcière pour vos cheveux. Parce que je vous assure que les conseils que les gens vous donne, mais parfois il y a des conseils, tu te poses la question de savoir mais celle-là, elle sort d'où avec ce conseil. Je te dis, tu as envie de gifler la demoiselle. Franchement, parfois, je choisis la violence, parfois. Mais bon, ça c'est dans ma tête, hein. En vrai, je suis pas bagarreuse. Mais, je vais prendre un exemple. Une jeune fille est venue et elle a posé la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour rendre mes cheveux naturels parce que bon, elle était défrisée et puis elle regrettait le fait d'avoir défrisé ses cheveux. Comment est-ce que je peux retourner naturel? Et il y a cette autre fille qui vient lui dire, tu prends le mot, le savon Omo. Pour ceux qui ne connaissent pas le savon Omo, Omo c'est un détergent. Vous avez Omo, vous avez Ariel, ici aux États-Unis on a Tide et puis beaucoup d'autres brands. Donc, elle lui propose de mettre du savon Omo sur ses cheveux pour qu'ils redeviennent. Ben, je lui ai dit, tu sais quoi? J'ai appris, c'est vrai, tu peux faire un savon Omo. Tu peux aussi prendre le pétrole, mettre tous tes cheveux, craquer une allumette. Oui,
Bon, je me suis fait traiter d'embout et tout, ça allait dans tous les sens. Mais néanmoins, je trouve que les gens en font trop. Tessica Brown, c'était juste un exemple d'une erreur. Parce que c'est une erreur. On a tous fait des erreurs. On a tous fait des choses, franchement, questionable. Mais pour elle, c'était vraiment une erreur. Elle l'a fait. C'est une erreur qu'elle a fait consciemment. C'est pas, elle ne sait pas. Ceux qui disent là que non, peut-être qu'elle a. Non, elle n'a pas confondu son Gorilla Snot avec Gorilla Glue. Elle avait du Gorilla Glue dans sa maison. Et elle-même, elle l'a dit. Pendant la période de Noël, les décorations, tout ça, elle utilisait Gorilla Glue pour faire ses décorations. Donc, mais. Ce qui est passé dans sa tête, c'était quoi? Je vais utiliser Gorilla Glue rapidement. Quand je vais rentrer, je vais laver, je vais enlever ça de mes cheveux. Et puis, on va move on. Donc c'était ça en fait le truc de Gorilla Glue. Arrêtez de faire des expériences bidons avec vos cheveux. Arrêtez, parce qu'il y en a qui font des choses qui n'ont vraiment pas de sens. Arrêtez, ne soyez pas un sorcier pour vos cheveux. Je vous le dis tout le temps. C'est vous qui voulez avoir les cheveux qui sont beaux, qui sont longs, qui sont X, qui sont Y, qui sont Z. Cheveux. Mais c'est vous aussi qui faites des choses qui sont terribles, non seulement pour vos cheveux, mais pour votre santé actuelle. Quand quelqu'un va se laver avec les cheveux, avec du détergent, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu attends? Quelles sont tes expectations quand tu fais ça? Qu'est-ce que tu penses va se passer? Si vous pensez franchement que... dites-moi, quels sont les conseils que vous avez entendus, qu'on vous a donnés, qui vous ont choqué au plus haut point? Parce que pour moi, c'est le mot. Si les gens vous ont donné des conseils bidons, mettez-les en commentaire. Et si vous avez des conseils à donner à vos sœurs, mettez-les en commentaire de manière à ce que si il y en a qui viennent et qui lisent, qu'ils puissent savoir que non. L'obsession pour les cheveux, come on. Anyway, I'm done. C'était Suzy et Fluffy. On est gavés. On s'en va. Abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez, likez. Est-ce que franchement, je sais plus quoi vous dire. Stay with me. Gang. Et on se retrouve pour la seconde partie de cette vidéo. Parce que cette vidéo est faite en deux volets. Je voulais d'abord vous présenter le problème de Tessica Brown, ce qui s'est passé et tout. Maintenant, le deuxième volet, dans la prochaine vidéo, je veux attirer votre attention sur quelque chose d'intéressant. Parce que je vous dis... Mais les gens voulaient que cette femme paye de sa vie pour une erreur qu'elle-même elle a commise, qu'elle-même reconnaît avoir commise. Et ça, c'est sans parler du GoFundMe. Les gens voulaient la tuer parce qu'elle a fait un GoFundMe. Les gens voulaient la tuer parce que les gens ont même encore donné l'argent pour le GoFundMe. Et franchement, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Est-ce que vous pensez que si Tessica Brown était une femme blanche, est-ce que vous pensez que si elle était une femme blanche, elle aurait reçu autant de backlash? Est-ce que vous pensez que si elle était même une femme noire, parce que le problème avec Tessica Brown, c'est que c'est une femme noire de carnation foncée. Est-ce que vous pensez que si c'était une fille, disons même une fille noire de teint clair, on l'aurait dragged comme on a dragged cette femme? Parce que, à vrai dire, ce qu'elle a fait, elle n'a pas fait quelque chose de pire. Qui n'a pas utilisé la colle forte pour remettre un ongle qui s'est cassé. Ça, c'est sans parler des filles qui utilisaient la colle des cheveux pour mettre leurs eyelashes. Mais on drag, we're dragging that lady, bullying her children. That's for next week video. Allez, je vous aime, je vous embrasse. Allez-y, réagissez en commentaire. Parlons, même quand vous aimez pas trop commenter là, j'ai l'impression que je parle toute seule et tout. Mais néanmoins, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Dada, même là encore, il y a la fête du chibi, même qui m'énerve. On y va, bye.